Bonjour Jordan. Non, attends, viens pas. C'est non, non. Celui-là, c'est ok. Casse-toi. Par pitié, pars. Mais non, tu m'as invité, je suis là maintenant. Mais pourquoi tu ramènes tous? Parce que je voulais te montrer. Il y a 50 putains de bits là dans mon studio. Celle-là, c'est la plus réaliste. Attendez les gars, j'arrive, il se passe un truc. J'arrive. L'Inca m'a appelé, alors dites-moi si je dis de la merde ou pas, mais il m'a dit on va faire le trou de balle des bannis. Et en gros il m'a dit c'est des gens qui ont fait de la merde sur le chat et on va les prendre sur Discord pour qu'ils s'expliquent pourquoi ça a été des trous de balles en gros. Tous les trous de balles des bannis. Les trous de balles des bannis là. Non attends mais comment ça les trous de balles des bannis c'est pas du tout. En gros des gens qui ont fait de la merde dans le chat, ils ont été bannis et maintenant on va discuter avec eux sur Discord de pourquoi ils ont été bannis et quelles étaient leurs intentions. Et c'est les trous de balles en gros. Non vraiment c'est pas du tout ça. En gros t'as une section sur Twitch où les gens qui se font bannir peuvent t'écrire pour te dire j'ai été banni mais c'est pas de ma faute. S'il te plaît débanne-moi. Et tu vois la raison de pourquoi ils ont été ban. C'est ça le truc. Vas-y mais go. Prends juste alors mon marteau de juge. Arrête. Ah si je suis obligé de prendre un marteau de juge. Bah tu prends pas un marteau de juge en forme de bite. Tu prends soft. Arrête avec. Il est ok lui. Non il est pas ok. Top. Bah tu sais quoi tu le mets genre là. Et si jamais quelqu'un est coupable tu... Oui voilà. Je vais être impartial. Je suis prêt à buzzer à tout moment avec mon marteau de juge. Là c'est pour les gros jugements. Un gros marteau. Bien vénère. Du coup le premier c'est il est là, il est normal. J'en ai marre de réviser le bac. Sortez-moi de là. Et après il a lâché un petit ferme ta chatte. Sorti de nulle part comme ça de derrière les fagots. Regarde, il y a son message. Coucou l'Inca. Dur à croire, je sais, mais c'est un pote qui a écrit le message. Le coup du pote. Moi, je le crois ça. Comment ça tu crois ça? C'est l'excuse la plus bidon qui existe. Bah non, c'est un pote à elle qui a écrit. Tu penses vraiment que c'est un pote à elle là? Ouais, je pense que c'est un pote. Je sais pas, mais avec le coup du pote, c'est dur à croire, je trouve. Tu peux voir que dans les précédents, jamais j'ai été malhonnête. Je t'aime beaucoup, l'Inca, s'il te plaît, unban-moi, je te donne mon prime en échange. Ah, bah alors, attends, il a un prime. Annulez le balissement. T'aurais dû commencer par la fin. Qui de vous parle moins? Bon journaux. Ah, GG, fils de pute. Quoi? Je le sens bien, lui. Ah, non, je pense savoir. T'as compris un truc? Bah oui, qui de voix parle moins? Ça se voit déjà qu'il y a un problème d'écriture. Il était dans l'excitation parce que 17h25, 26, 34, 47, il s'est écoulé quand même une heure entre le A et le GG. On sait pas trop ce que ça veut dire. Parce que ça peut être fils de pute, comme ça peut être frais de port. Je pense vraiment que c'est fils de pute. Mais il y a même pas marqué fils de pute, il y a marqué FP. C'est le P-word, on peut pas pardonner ça. J'espère pouvoir revenir sur le chat, puisque j'avais pas du tout l'intention d'écrire un mot visé, puisque c'est mon clavier qui a décidé d'envoyer un autre message après GG, fils de pute. Merci pour me comprendre. Que divise le casque. Putain, son clavier il écrit tout seul. Non, mais là on peut rien y faire, c'est vraiment pas de bol. Bah là c'est pas de bol. Si c'est un clavier mécanique et qu'il a été possédé. Moi ça m'arrive souvent, parfois je suis là, genre je me douche et ça envoie des messages partout et ouais. Tout. Genre hier j'ai vu qu'on avait parlé ensemble, j'étais pas là moi. Ah, mais il me semblait bien. C'est mon clavier qui parle avec toi. Ah, mais oui, tu parlais comme ton clavier. Ça me le fait tout le temps, il a une patte, il a un ouais, truc. Ouais, il a un truc quand il s'exprime. Il a une façon de parler quoi. On le banne en vrai. Bah là, GG, FPD. Merde. Le merde. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que t'as dit le P-word involontairement. Bon, c'est de toute façon. Je fais peu de live et tout et je fais super gaffe. C'est... Ouais, mais t'inquiète, t'as bien fait gaffe là. Ça a duré quoi, 2 minutes? C'est top. On le banne pour excuse. Il banne parce qu'il m'a. Il t'a fait dire le P-word. Potentiellement un trait sur moi. On le buzz. Ban. On le banne. Ça dégage. Wesh! Les chips au poivre de Franprix français sont vraiment bons. Bannez-moi les modos, bannez-lui ce qu'il voulait. Hein. Je remercie la mère du modo qui m'a ban de l'avoir mis aussi au monde. Je préfère sans le chat, la qualité est meilleure. Qui allez, allez. Le... Allez, allez. Allez là, on est fatigué. Hyper patience. Ah ouais, il nous a épuisé là. Ça dégage. Oh, on était fatigué. Je te bouffais les couilles. Ok. Tu veux qu'on le jette? Attends, j'attends la suite. Oui. Moi, dès que tu touches à ça, je rejette maintenant. T'as raison. Alors attends, mets tes cheveux dans mon fiac, je t'aime. Ça, c'est assez original. Je vais te manger les couilles. Mais qui met les cheveux dans? C'est impossible. Pourquoi il s'est censuré avant et là non? Il a vrillé en fait. Je veux la psychologie de ces personnes. En une minute, il est parti en couille. Oui, il est parti en couille. Après, mon ref, je suis désolé, tu vois, c'était amical, je t'apprécie beaucoup. Ok, ok. Pareil, c'est le super pouvoir de la bite magique. Ah ouais, fatigant. Salut, c'est quoi l'Elo? C'est quel Elo? Ça joue à quel Elo? Pue la merde là, il répond jamais. Bannez-moi Def si vous savez pas répondre. Il a brillé sa mère. Ah ouais, il a vraiment. Et il est resté 3 minutes. Hein. 3 minutes, Nekuma. Il a pas eu le temps du tout. Oh, il a pété les plombs lui. Et pourtant, il consomme. Hein. Depuis le 28 février 2018, il est sur la plateforme. Il regarde des lives et tout. Il a de la patience. Mais là, non, c'était trop. 3 ans après. Oui, il a décidé. Il a explosé. J'ai fait des erreurs et je les comprends. Désolé, l'Inca. Les modos pour avoir insulté le live et spam. Un peu maigre. Tu choisis. C'est toi l'invité, c'est toi qui choisis. Non, moi c'est pas quelqu'un qui suit ça, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui vient. C'est quoi Lelo? Ouais, il vient juste être méchant, tu crois? Là, il est arrivé, il a dit oh, c'est mon live là maintenant. Allez. Ouais, c'est vrai. Allez, on le rejette. Ok. Rejeter, c'est ça. Accepter, c'est. Accepter, c'est du coup vraiment le que truc. Je suis pas sûr, vraiment. Accepter, c'est juste un truc. Ok. Ouais. Ça marche. Montre tes fesses. Ton fion, il est de quelle couleur? Bon, ouais. Ah non, c'est bon.
c'est bon, ça m'a déjà gavé. Il est cringe. Attends, mais celle-là, elle est incroyable. Point d'exclamation, full life. Donc, sponsor, très cool. 20h, j'aime les tubs. Et ben, pourquoi pas à 20h pouvoir dire dans un chat librement en France, j'aime les tubs. Ah oui, il a le droit d'aimer les tubs en plus. Il a le droit d'aimer les tubs. Je voulais dire le fromage de tub. Il y en a, ils sont gênants quand même, par contre. Hein. Oui, mais qui aime les tubs, ok. Oui, c'est vrai, t'as raison, on va le rejeter. T'as raison. La passion prend le dessus sur l'amour. Mais là, il est parti en vrille, la Nat. C'est progressif. Linka, je t'adore, ok. Tu peux adorer quand même. Ok, adoration. Yo! Là, c'est l'excitation, tu vois. L'excitation laisse place à l'amour. Je t'aime. Ouais, ok, pour le moment, je suis. Et puis, 20 minutes plus tard, je t'encule. En fait, c'est les étapes de l'amour, finalement, presque. Moi, pour moi, c'est un peu le cercle, tu sais, comme les étapes du deuil. Mais non, c'est l'inverse. D'abord, tu apprécies quelqu'un, après, tu apprends à l'aimer, et après, ça finit sur l'oreiller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le cycle de la vie. Tu fais un date avec une personne, une meuf, un gars, n'importe quoi, puis tu dis, tu t'adores. Tu sais, après, la deuxième fois, tu fais yo! Yo! Et je t'aime. Mais il a brillé, je sais pas, il a eu un pic d'émotion. C'est trop speedrun pour moi. J'attends voir la Attends, tu veux pas lire ce qu'il dit? Si. Bonjour. Je ne sais plus, ça fait combien de temps que j'ai envoyé ce message sur le chat, mais ça fait longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais m'excuser pour ce message juste débile que j'ai pu envoyer. Ça ne se reproduira plus jamais. J'aimerais bien retrouver les gens du chat, etc. et voir la bonne humeur des abonnés. Là, on peut pas le laisser ban. C'est larmoyant quand même. Quoi? Rien, ça me fait un truc. Yo, cœur, sale merde. Simple, efficace, il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Je suis désolé de t'avoir insulté, je ne sais pas ce qui m'a pris. Même si je ne parle pas beaucoup dans ton chat, je prends beaucoup de plaisir à regarder tes lives. Si je suis ban, je promets que ça ne se reproduira plus. Ah bah nickel alors. Ah non, si je suis déban, j'ai mal lu. Ah ouais. Bah ouais, mais il s'est emporté, bon. Changement d'humeur stratosphérique, c'est là, c'est clair qu'il y a eu une saute d'humeur là. En vrai, il passe déjà ici, on peut observer qu'il passe des pleurs au rire en un seul message. Mais attends, mais il passe par toutes les émotions, ça dit long pour ça. Beaucoup d'amour, des cœurs, un bonjour. Il a vrillé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a parfois, ils pètent des câbles, genre je sais pas pourquoi, on en fait quoi de celui-là? C'est compliqué parce que moi je pense qu'il y aura pas récidive. Tu l'autoriserais? Bah, il rigolait très bien, il passait un bon moment sur le chat, 17h09, 18h50. Il m'a quand même traité de sale merde, Jordan. C'est horrible. Mais enlève ton ego. Ok, j'annule, il a l'air gentil. Ok. Faut que ça te passe au-dessus, ça, Arnaud. Oui, ok. Je vous casse tous la gueule, mourra. Tu es pas tenu le Warzone de jouer à un jeu où t'as aucun talent. Encore plus tard, mais et maintenant le modérateur me suit le message. Non mais c'est le putain qui se fout la charité. Bon alors ça peut plus. Et ça me balle maintenant. Non mais ils sont cons, t'es pas bon. Désolé, le chat me manque, ça me manque. Ok, ok, s'il a pas de... Il a pas de tuyau, du coup. Non. Attends, je suis pas sûr. Laisse-moi le chat. Non mais pourquoi tu changes comme ça d'un coup? Il a pas tant forcé que ça. Quoi? Il a pas tant forcé que ça. Ah putain, tu vas Joyka. Tu trouves vraiment qu'il a pas trop forcé? Il a pas tant forcé que ça. Il était emporté par l'excitation. Jordan, j'ai l'impression que t'es pas objectif. Vraiment, j'ai l'impression que tu perds ton objectivité. Mais non. On le tège. Jordan, on peut pas le garder. Tu sais quoi? En le jetant, il va aller plus chez toi. C'est presque un cadeau que je te fais. Ah bah, il va arriver sur une fenêtre offline avec des vidéos qui datent d'il y a 3 mois. Pourquoi tu stream plus? T'as plus envie? Non, mec, je suis trop matrixé par YouTube. Comment ça? À faire des vidéos, là, j'ai pas de vidéo pour dimanche prochain. Et c'est tout le temps, toutes les semaines pareil. Tu veux que je t'en donne une? J'en ai d'avance. Envoie-moi une vidéo à faire là. Mais ça serait trop marrant, putain. Un best of YouTube. Un best of gaming. Ah, mais un best of gaming. Ah, mais non. Mec, ça me ferait une pub de fou. Je publie une de mes vidéos sur ta chaîne à toi. Ah ouais, c'est vrai que ça fait une pub de fou. Mais c'est trop bien, c'est une badie. C'est une badie. Mais pourquoi je change Je change pas de sujet, j'avance juste. C'est une bête idée, genre je fais un nouveau react à Garde à vous et au lieu de publier sur ma chaîne, je mets sur la tienne. C'est une bête idée, Jordan, ouais, on devrait le faire. Idée, les gars, banger ou pas, dites dans le chat, vous pensez que c'est une bête idée? J'ai all in sur toi, Linka, fais pas le con. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, trois fois, yes, viens, on fait comme tout à l'heure. Tu changes de sujet. Mais non. Mais toi, Walp. Fous-toi, Walp. Devant elle. Putain, devant elle. Donne-lui un balai. Ah oui, il se mord le poing, tu penses? Il se mord. Bizarre le cactus spot. Bon, il a réussi à baisser quelqu'un ou pas? Ah putain, ça devait être au nouvel an. Ça me fait pareil avec pub des fois. Réponds sa mère, les François d'Angin. Mais c'est quoi? Les pires de meules. Attends, mais il a un problème, il est en chaleur lui. Ouais, je pense qu'il est en chaleur. Bonjour à toute l'équipe de modération. Le changement d'ambiance. Il me baisait depuis 10 ans. Et là, il arrive. Bonjour à toute l'équipe. Veuillez m'excuser pour mes propos déplacés. Je ne suis pas du genre à tenir ce genre de propos. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, je ne recommencerai certainement plus si vous me débannez. J'en ai vraiment besoin pour participer au chat et continuer à suivre Linka. Des bisous. 31 décembre, 1er janvier, 9 février et c'est pareil. Il a la dalle de mois en mois, genre. Attends, mais what the fuck? Ça fait 6 mois que le gars a la dalle. Je pense qu'il aura la dalle à vie. Ouais, allez, ça dégage. Ouais. Ça dégage, il a trop faim. Cacahuète, ce live a l'air très rigolo. Très drôle le cacahuète. Ok, ouais. Mais t'es grave gentil. Ouais, c'est juste le pseudo. On a le piloti. Le piloti pilon. Du jugement. Le pilon du jugement, qui est juste là, voilà. Hop les. Je rappelle, une tape sur le pilon, c'est ban. Une caresse au pilon, c'est des ban. C'est des ban. Yo les putes. Yo les putes, je débarque. Bonjour. Oui,
j'ai cru que tu étais mon pote. Et je suis désolé, et en plus je suis gentil. Mais j'ai vu que quand on dit bonjour, c'est des bannes. Inch'Allah, tu me débannes. On en fait quoi, Jordan? Yo les putes! J'aime bien moi. En vrai, j'aime bien moi aussi. Ouais. Yo les putes, comment ça va par ici? En vrai de vrai, faites pas ça, c'est la... C'est... On lui laisse une seule chance. Ouais, ouais. Une seule. En vrai, il a l'air gentil. Oh la putain, j'ai pété tout mon setup. Touche tournée, j'ai 50 subs. La 4 est le meilleur. Même dans le même face à l'adversité, il est gentil. Bravo, tu as pas eu 50 subs. Ah, tiens, va te faire foutre. C'est bon, au bout d'un moment. Allez, va te faire foutre. Voilà. Allez, c'est Jordan qui a dit, c'est pas ma faute. Bonjour, je me mate sur... C'est un mate sur batteur chronique. Viens, on le débanne. On en fait quoi, tu choisis en vrai? Bonjour, je... Mastrube. Mais attends, ma pote, c'est un truc dans Dofus. Il va à Mastrube. Il a spawn là-bas. C'est après Minkarnam. C'est en moins 2.4. On le dégage en vrai. Il fallait dire ses petits problèmes. Moi, je l'aime bien. Il est attendrissant. Ok, mais c'est toi qui as choisi. Re! Salut! Re! En vrai, vous êtes chaud? Ça tire à balles réelles. I don't understand. Ça, c'est non, putain. I don't understand. Oh, non. Ça, c'est non, c'est vraiment. Oh, les gars, quand vous comprenez pas un truc, s'il vous plaît, sur mon live, marquez I don't understand. Ah ouais, faut que ça devienne quelque chose. Par contre, les modos qui m'a mis 10 minutes, revois tes cours de modo, mon ref. Frère, les pubs, j'ai juré, c'est de la merde comme il est écrit et tout. Vas-y, on le rejette. Je crois qu'on est bientôt 500 000 follow sur Twitch. Putain, c'est pas quoi. Ouais, c'est beaucoup. Ça fait un demi-million de personnes sur Twitch. Ce qui représente un demi-million. C'est la moitié d'un million, quoi. T'imagines? Et j'ai bientôt le million sur YouTube aussi. Tu prends un million, tu te sépares en deux, t'as ça. Théo, attends, quoi? J'y pense chaque soir et je suis dévasté, banni pour avoir écrit. C'est quoi ce bordel? On annule, c'est quoi ce... Bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas, Ruby, elle avait craqué, il se passe quoi? Attends, on le débanne, c'est quoi? Arquette Théo, il s'est fait ban, c'est quoi cette merde? Wow. Mets ton nez dans du riz. Ah, t'avais mal au nez? Ouais. C'est bon, là. Viens, arrête là-dessus, je veux plus voir ça. J'en peux plus. Du coup, c'est toi qui dois faire l'outro.